Live Sonic Howl! L'équipe 3-3-8-7, les Aigles d'Or! Et l'équipe 3-9-8-1, les Loups! De l'autre côté, l'Alliance Rouge, nous avons l'équipe 3-9-6-9, Yeti! L'équipe 4-4-9-2, Chrono! Et l'équipe 3-9-9-6, Ricky Tick! Bonne chance à toutes les équipes! Les robots sont en place. Je crois que nous avons le feu vert. Non, pas encore. Patientez. OK, on est prêt à partir! Équipe en place, pilote derrière vos lignes. 3, 2, 1, c'est parti! En période d'autonomie, les aigles sont toujours aussi précis avec Sonic Hall qui enclenche des points pour l'Alliance Bleue. Du côté de l'Alliance Rouge, nous avons Ricky Tick, les Yetis qui tentent leur traditionnelle ascension du premier palier. Alors que Chrono, qui peut-être nous fera encore la démonstration de son aspirateur. Alors, recharge pour Ricky Tick. Il y aura une faute pour l'Alliance Bleue. Sonic Hall. 5 fois, 6 fois, 7 fois. 3 points pour Sonic Hall. Alors, le Yeti a réussi son ascension du premier palier. Alors que Ricky Tick engrange les points pour l'Alliance Rouge. 3 fois 3 points. Collision entre Chrono et les Loups qui ont modifié le design de leur robot depuis hier. Alors, c'est un nouveau prototype ce matin que nous laisse voir l'équipe des Loups. Alors, les pilotes se consultent. Voyons les équipes très concentrées derrière les baies vitrées, alors que Ricky Tick tente une recharge. Que se passe-t-il? Les aigles viennent se positionner. Oui, ce sont des points pour l'équipe de l'Alliance Bleue. 4 fois 3 points, extraordinaire. Maintenant, les lanceurs humains. Oh, attention, un disque sur l'équipe technique. Oh, voilà, collision entre Sonic Howl et Ricky Tick. Hein? Obstruction de la part de Sonic Howl pour empêcher Ricky Tick d'aller marquer des points. Chrono qui a tenté son ascension du premier palier, mais qui est maintenant immobilisé sous la pyramide. Et les aigles ainsi que Sonic Hall qui réussit une ascension du premier palier de la pyramide bleue. Le score final de ce 57e match de qualification, 94 pour l'Alliance Bleue, 49 pour l'Alliance Rouge.